À Taïwan, le Kuomintang de Chine a investi le maire de Kaohsiung, Han Kuo-yu, comme candidat pour l'élection à la direction de Taïwan en 2020. Le président du KMT, Wu Den-yi, a annoncé la nouvelle lors du congrès général du parti. Monsieur Wu et Han ont tous deux insisté qu'il devait y avoir une relation de paix, de stabilité et de développement entre les deux rives. Le KMT a annoncé le 15 juillet que Monsieur Han avait remporté la primaire pour l'élection de l'année prochaine avec un soutien moyen de 44,8%.